Eh bien salut tout le monde, c'est Flonocado, j'espère que vous avez la forme. Alors on va voir aujourd'hui les meilleurs écrans gamers pour un budget contenu, donc c'est-à-dire entre 100 et 120 euros. On fera difficilement moins cher, donc ici on commence tout de suite avec, dans l'ordre du prix, avec le BenQ GL2450HE. Donc c'est toujours des références à rallonge, donc on va se retrouver à chaque fois sur des écrans LCD, bien sûr, LED, souvent entre 22 et 24 pouces, en millisecondes 1 ou 2 millisecondes, donc très réactif. Et en plus de ça, ce sera des écrans TN. Donc ici, celui-ci est caractéristique, donc on voit 2 millisecondes, 24 pouces, donc 24 pouces c'est vraiment bien. Des haut-parleurs intégrés, donc c'est du 60 Hz, bien sûr. Ça va être que ça dans cette gamme de prix, donc 109 euros en solde chez Top Achat. BenQ, qui est une très bonne marque, plutôt orientée gaming. Hein. Donc là, on est dans un budget contenu, bien sûr. C'est le minimum, c'est ce que je conseille, hein, de toute façon, dans cette gamme de prix, pour l'entrée de gamme, on va dire. Donc, en second, donc une très bonne marque aussi pour les gamers, hein. Iiyama, une marque japonaise. Donc ici, une référence à rallonge, un G-Master, Black Hawks, etc. Je vous laisse lire, donc... C'est à 22 pouces. De toute façon, je mets tous les liens en description, bien sûr. 22 pouces. Full HD comme tous, hein. Donc j'ai sélectionné que des Full HD. En DALT N, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y aura que ça. Donc 1 milliseconde, celui-ci. Donc c'est une Black Hawk. Apparemment, c'est un réglage pour avoir une meilleure lisibilité en jeu, etc. Donc 114 euros, c'est le moins cher chez Cdiscount. À chaque fois, ce sera les moins chers que j'ai trouvé. Donc ça reste un bon écran. 22 pouces, ça dépend. Certains, ils ont des tailles de bureau et il n'y a que du 22 pouces qui va rentrer. Donc après, 22 ou 24, c'est à vous de faire le choix. Le suivant, un AOC, une marque au très bon rapport qualité-prix. Hein. On est sur le site hardware.fr, j'ai trouvé le moins cher à 119 euros, donc 1080p, 1 milliseconde de temps de réponse, donc toujours du 60 Hz. Alors certains mettront en description 75 ou 76 Hz pour celui-ci, mais souvent c'est quand on réduit la résolution de l'écran. Donc la résolution native, souvent, c'est du 60 Hz. Donc c'est toujours réactif, c'est une DALT N. Bon, celui-là, il est assez sobre, hein. Il n'a pas un look gaming. 119 euros, après, c'est vous qui voyez. On passe au suivant, on monte un petit peu. Donc, non, c'est au même prix. Ah non, c'est même moins cher, donc je me suis trompé d'ordre, donc 5 centimes. Donc, la marque Asus, donc ici le moins cher, VP228H, une très bonne marque. Hein. Franchement, ils sont réputés, la plupart du temps, ils sont réputés pour les cartes mères et tout ça. C'est, je crois que ça doit être le leader même des cartes mères. Donc, 22 pouces, exactement 21,5 pouces, TN 1 milliseconde, donc un bel écran, hein. Asus, il n'y a pas de problème, branchement HDMI, tout ça, je vous laisse voir. Ici, sur Udicommerce, et en plus de ça, livraison gratuite chez Carrefour, et paiement, peuvent payer en 4 fois apparemment, avec une carte bleue. On file avec une très bonne marque aussi d'écran Samsung chez Amazon, donc 124 euros ici. Nous avons une dalle TN 24 pouces, hein. Ici on est sur du 24 pouces, toujours pareil, 1080p, ratio 16:9, hein, ça c'est normal. Donc 124 euros, 1 milliseconde, il va être plutôt très réactif, hein. Samsung, moi j'ai déjà eu un Samsung à l'époque en dalle TN, c'était vraiment très très bien. Donc voilà, je le trouve super classe, un peu, il fait classe et sobre à la fois. Et on termine chez matériel.net avec un écran AOC, avec ici un look gaming. Alors c'est un 22 pouces FreeSync. FreeSync, c'est la nouvelle technologie ici de chez AMD. Je crois que c'est même pour tout le monde. On pourra vraiment caler la carte graphique, la fréquence de la carte graphique avec la fréquence de l'écran pour éviter les micro-saccades ou les déchirements plutôt de l'écran. Donc ici FreeSync, 1080p 1 milliseconde, rafraîchissement max, ils mettent 75 Hz, mais c'est toujours en baissant la résolution. Donc du Full HD, 129 euros. On reste dans un budget, voilà, très très correct, c'est l'entrée de gamme. Le moins cher chez Material.net, j'ai été surpris, mais je me suis dit pourquoi pas. Est-ce qu'on peut zoomer? Ouais, on va zoomer, vous voyez, franchement il est beau avec le petit liseré rouge, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, j'ai sélectionné pour vous 6 écrans, j'espère que ça vous plaira. Après, c'est sûr, il y a tellement, tellement de références, mais ici, c'est que des bonnes marques. Après, c'est à vous de voir tous les liens en description. En tout cas, merci à tous, à très bientôt, ciao, bye.